Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sous télévision nationale d'Haïti dans le ça, son plaisir pour nous rejoindre pour notre numéro mise au point. Nous prenons le commenter actualité avec ancien député Jules Charles Faustin, bon, qui s'est conseiller président République là. Là, nous prenons le garder réalité à, nous prenons le garder remuer là. Et ça, en fait, dans le palais national, il y a un nouveau secrétaire général AI, il y a un nouveau directeur de cabinet. Pour qui ça ensemble, ça c'est Kounia, décision ça arrivé et gagné tout arrêté qui rapporté ensemble de nominations qui étaient faites pour plusieurs conseillers spécial président République là. Là, qui ça nous doit attendre nous? Est-ce qu'il y a une autre décision pour le prendre au niveau de l'administration du président Jovenel Moïse? C'est quelque parmi points pour l'aborder matin avec ancien député Jude Charles Faustin qui a accepté de répondre à une question télévision nationale d'Haïti jeudi. Hein? Dépêche son plaisir pour nous soir matin. Bonjour Lindo, bonjour toutes téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Ça dépend de qui l'heure, qui côté, nous avons recevoir nos matins. Donc, son plaisir, c'est un bonheur pour que nous soyons capables de matin tout, pour que nous, en fait, faire débat avec vous sur les sujets d'actualité. On démarre avec le dernier arrêté qui sorti, arrêté qui nommé un nouveau secrétaire général AI, M. Lebrun, qui n'a plus le temps d'ailleurs dans le palais national, qui je me connais parlé à bien. Et gagné tout arrêté qui nommé un nouveau directeur de cabinet, président République là, M. Dorville, Narome Dorville. Je crois ça, pour qui ça? Bon, en fait, si vous suivez, jeudi, le président a fait sortir des tweets. Et on a tweeté, c'était demandé pour que tout le monde qui était ordonnateur et de fonds Petro-Caribé de 2008 à 2016, donc c'est moi qui mette précision ça, ok? Et pour que tout le monde aille, et même si nous connaissons le principe qui dit que ou censé est innocent jusqu'à prononcer un jugement, ok? Donc, le président a demandé pour que et tout le monde soit capable de mettre au disponible pour la justice dans le cadre d'un procès équitable et des fonds, de l'utilisation des fonds du Petro-Caribé. Donc, ce n'est pas une sentence qui est prononcée contre quiconque, ok? Mais c'est plutôt président Dakadou, parce que l'on a dirigé mon pays, il faut grand pile humilité. Et humilité à mander qui ça, des fois il faut tendre, il faut réajuster. Mais nous sommes capables de dire l'indor, et à côté de tout ça, et nous voyons que à travers l'autre administration, toujours même des fois fait une analogie, l'autre administration, par exemple, si nous avons l'administration américaine non, avec le président Trump, ça fait plus de 3 changements profonds déjà au niveau de son cabinet. Donc, président, après 20 mois, et de son administration, on croit que l'arrivée dans un bon moment pour qu'il soit capable d'opérer certains changements au niveau de cabinet particulier. Ce n'est pas seulement de Mounsayo, on va parler de Yves-Jamé Joseph et puis son Lalo qui parle là, mais il y a un ensemble de conseils spéciaux qui partent à conseiller président encore selon l'arrêté de sortie 22 octobre. Là. Pour moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas conseiller spécial encore. C'est tout simplement il est capable. Donc pour le moment, on décision, ils ont arrêté qui prend, qui rapporté. N'est-ce pas, arrêté qui était publié dans yo comme des conseillers spéciaux. Donc, le président, lui, certainement, pour elle, est refait et cabinet, lui. Donc, certainement, il a toujours fait appel à certains Amounzaïo pour reconstituer le nouveau cabinet. Il y a un qui dit que c'est 17 octobre qui est à la cause de tout ça qui est là, et ça veut dire que l'administration est en panique. Qui sont qu'à répondre? Bon, et depuis, après, nous avons dit que le changement qui était fait au niveau du gouvernement, et moi, j'ai senti que gagnait souvelé et un vent de changement beaucoup profond qui t'a poil opéré au niveau de la présidence. Et je suis capable de dire que depuis nous connaissons l'année fiscale la fini en septembre, ok, donc l'année fiscale la fini en septembre, donc nouvelle année a commencé en octobre. Donc ça veut dire que était gagné de dispositions qui te prend et qui fait croire que notre privé a des changements profonds au niveau du cabinet du président de la République. De toute manière, changements sont arrivés après 17 octobre. Il est arrivé après 17 octobre, puisque tout à l'heure, nous sommes parlé de l'on moun gagné mandat. En population, ils sont serviteurs et lors ces serviteurs, ils demandent en pile humilité. Donc, je dis à président Ntakadou l'obligé à et dispenser de certains
collaborateurs et c'est de moun d'Akadou qui gagnent la compétence nécessaire pour que yo accompagnent dans la vision que li gagnent comme chef de l'État. Mais et par rapport à la conjoncture lendo, m'va cacher djou que président lui-même li prend des dispositions, il t'a annoncé dans tweet que m'djou là et ouais, c'est de bagaille qui lié par rapport à question d'actualité yo, question dans question qui marquait la conjoncture aujourd'hui, c'est cette affaire de Petro-Caribé. Mais il y a mon tout qui dit et pour que ça, c'est pas depuis après 6-7 juillet, changement profond ça a été fait et pour que ça ne devait pas nous arriver jusqu'à 17 octobre. Bon, premièrement, je pense que c'est un exercice fiscal qui a fini en septembre. Ok? Donc, un nouveau exercice qui a monté en octobre. Mm-hmm. Donc, ça a tout demandé et faut faire un calcul par rapport à la question ça. Mm-hmm. Est-ce que c'était nécessaire, changement ça, Jodia? Bon, Jodia, tout ça, président, a fait en fonction de nécessité de l'heure. OK? Et donc, yo vin nécessaire parce que président fait. Mm-hmm. Et si yo pas nécessaire, président va taper fait l'endor. Mm-hmm. Maintenant, là, est-ce que, il y a un monde qui croit qu'avec décision Sayo, ça t'a calagé M. Sayo qui était comme donateur? Un fonds Petro-Caribé, qui a géré et son fonds, ça t'a dit que yo va vous reprocher ou non? Et pas ça lié? Il y a la présomption d'innocence. Ça, c'est un élément sacré en droit que lié. Donc, ça veut dire que un monde li coupable et il est capable d'accuser un monde, ok? Mais monde ça lui-même, il vient devant la loi pour prouver innocence. Mm-hmm. Et une fois innocence li prouvé, eh ben, il sorti des liens de toute soupçon, de toute accusation. Ok? Maintenant, et monsieur yo, malheureusement, dans ce pays, parce que hier, m'a regardé en vidéo et de l'ancien président de regretter mémoire et Maniga, qui t'a montré comment gagner difficulté dans le pays ça pour moun météo à la disposition de ce pays pour et capable servir pays parce que tellement Dakadou son pays de mangeurs d'hommes. OK, son pays de mangeurs d'hommes et jodia bon situation c'est que peuple haïtien nan et Dakadou nan volonté de clarté nan volonté pour joindre explication et non volonté de justice, eh bien, peuple haïtien a fait une demande, et dans la demande, là, malheureusement, un pile monde qui était metté au service de pays de 2009 à 2016, trouvé aujourd'hui dans le collimateur et monde qui a fait revendication. Ça. Mm. Et à tort ou à raison, Lendor, puisque c'est la justice qui vous prouve qui a tort et qui a raison. Mais c'est ça que mon guitare a dit. Est-ce qu'une batte budgétan que par exemple quand vous coulez contre Paris, une batte budgétan et j'ai instruction fin de faire ordonnance pour nous arriver là, pour que ça marche près, c'est ça. Non, ça mais vite comme ça. Parce que quand même, pas oublier et président, c'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute de sa population. Parce que moun qui était dans la rue le 17 yo, ça pas veut dire gagne deux moun qui profiter après régler d'autres bagailles. Mais moun qui était dans la rue, c'est pas un problème yo gagne contre Jovenel Moïse le président de la République. OK? Donc c'est des demandes d'explication et me penser jodi à Lendor, Petro-Caribé d'aka dit c'est élément déclencheur par rapport à question corruption en Haïti. Mais pas oublier le président depuis le rivé sous pouvoir, yon choual bataille, c'est lutte que l'a mené contre la corruption. Et d'ailleurs, la question surfacturation, yon bagaille que le dénonce tout le temps. Et nous voyons que question ça, c'est une question qui est agitée en pile. Et c'est une question qui a commencé tout, mettez président dans le collimateur certains moun qui te bénéficié des privilèges par rapport à éléments corruption ça, et surtout surfacturation, et un rapport. Et film privé avec l'État haïtien. OK? Donc, jodia, on demande sous question Petro-Caribé. Nous connaissons très bien Petro-Caribé. C'est qu'on doum quoi, bien te mette en côté, que mon apprend, il y a maintenant valise, il y a maintenant sac, il y a maintenant poche. C'est un fonds qui était là pour que l'État soit capable de participer dans le développement pays. Hein? Et te gagner, si vous voulez, méthodologie, comment pour te utiliser l'argent ça. Maintenant qu'on y a, tout démarche, c'est à l'ouest côté ça te vicié dans la méthodologie qui t'a utilisé pour te faire développement à travers fonds dans le pays. Parce que l'Indor, quand même, donc, gagné, si vous voulez, 1,7 milliard de dollars américains qui te là, qui pour te investir, et là, ces chiffres, d'accord, dit,
qui conforme. Non, c'est pas chiffre que dans des deux mondes a voué monter tout. Dans le pays, il y a dit toute qualité de chiffre. Mm-hmm. Donc, 1,7 milliard de dollars américains, c'est chiffre ça, qui te gagné des projets, qui engagé sur à travers le pays, et projet, yo, grand pile nan yo, qui fait, bien ça qui fait, qui finit, d'après exemple, par exemple, la Cour de cassation, Jodia, c'est dans l'agence ça, il fait la Cour de cassation. Le ministère de l'Intérieur, c'est dans l'agence ça. Le ministère de la Culture, c'est dans, du Commerce plutôt, c'est dans l'agence ça. Donc, on a cité plusieurs, l'autre chantier qui commençait. Mais attention, il y a des chantiers tout qui commençaient, qui mal passaient. Par exemple, l'agent qui était disponible pour la reconstruction du Parlement haïtien. Donc, 10 millions de dollars américains dépensés, mais on a dit volatiliser l'indor. Mm-hmm. Parce que, film n'en vini, moi-même, quand j'ai l'imprimature et m'a regardé, moi j'étais ouais mon premier temps côté à planter des pieds en bas terre, puisque on est avec technique et parasismique. Donc, selon étude de terrain qui fait, gagner gens, moi pas c'est pas un domaine, moi je vais investir trop là-dedans, mais gagner gens que j'ai planté des pieds à de longueur vraiment très profonde en bataille pour quelqu'un met poids bâtiment. C'est ça seulement qui a été fait dans 10 millions de dollars américains. Donc ça veut dire que FIMSA, l'Indor, qui a gagné l'argent ça maintenant, je dis à FIMSA, supposé, il dit, pour qui ça, travail n'est pas fait. OK? Et maintenant, qu'on y a la question de corruption, un, FIMSA capable, lui-même, pas explication pour qui ça travail n'a pas fait. Mais deux, si FIMSA prend l'argent ça, il prend 10 millions de dollars, et puis lui investit 2 millions là-dedans, et puis il gagne 8 millions crédits, c'est avec un nègre, un femme, ou il y a plusieurs nègres, plusieurs femmes qui le séparent comme là, et bien qu'on y a toute question, ça ne va pas le traiter devant la justice. Mm-hmm. C'est ça, oui. Mm-hmm. Maintenant, parallèlement, il y a un commissaire gouvernement qui lance une série d'invitations pour des anciens grands commis de l'État. Il y a un tout quoi que pour qui ça c'est cougné pendant que le dossier est dans le compte, il y a un rapport qui a fait, il y a un cabinet d'instruction qui a travaillé pour qui ça c'est cougné. Et parallèlement, il y a un monde qui était dans le palais qui parle encore. Bon, écoute, donc Jodia et Lédor, commissaire du gouvernement, il n'y a pas besoin de prendre un dossier qui vient devant conformément à un mécanisme de procédure par rapport à dossier ça lui-même. Parce que pas oublier, je dis à Gendo Mundo qui a parlé de rapport. Dans le cadre de ce dossier, pour qu'on gagne un rapport Lindor. Mm-hmm. OK? Par exemple, il y avait la commission éthique et anticorruption au niveau du Sénat de la République à deux reprises et dirigée par deux sénateurs différents. Ils ont constitué deux documents, mais que nous pas carré les rapports. Parce que vous-même qui habitué fait aller-retour au niveau du Parlement, connaît très bien pour qu'il y ait rapport, il faut qu'il y ait un document présenté au niveau de l'Assemblée, ok, et qui était lui-même by fait enquête là, et Assemblée, ça qu'on y a, lui sanctionner document ça, pas en vote pour ou contre. Et une fois, il y a une majorité au niveau de ce corps qui dit que ce dossier, n'est-ce pas, lui est voté. OK, maintenant le constitue un rapport et maintenant il a fait ce que de doit avec lui. Là nous songer dans le cadre de ce dossier Petro-Caribé, eh bien il y avait plutôt une résolution qui a été prise par une majorité de sénateurs et ce dossier a été transmis au Cour des comptes pour que Cour des comptes lui-même soit capable de faire s'ouvrir les enquêtes nécessaires par rapport à aux dépenses qui étaient effectuées dans et question l'agent Petro-Caribé. Et pour des comptes dans lui-même, il dit que rapport apparaît au mois de janvier. Et fonds qui étaient doués décaisser par rapport à travaux, ça y est, qui partent dans le budget pour des comptes là, pour des comptes obligés, faire une demande additionnelle de fonds par rapport à budget que le dégain de 27 millions de gouttes. Et donc, il y a 10 millions de gouttes qui, dans le budget passé à quelques des comptes, gagnent en même déjà. Et il y a 17 millions que l'on était supposé joindre dans le budget 2018-2019. Là. Mm-hmm. Alors là, je vous dis à l'institution qui, nous dit, conformément à la loi, qui l'a pour que vous capable mener enquête, vous a fait travail par vous. Mais le commissaire gouvernement lui-même, nous croyons que depuis qu'il y a, et vous dit, depuis qu'il y a flagrance, le commissaire est capable d'agir. Depuis qu'il y a une clameur publique, tout, le commissaire est capable d'agir. Donc je vous dis à une clameur publique. Et
dans niveau question AEA, donc commissaire gouvernement li Ndakadjou lui-même l'a metté en mouvement et l'action publique comme le commissaire du gouvernement c'est représentant exécutif là dans le judiciaire. Est-ce que c'est à sous instruction des agents de l'exécutif? Le gouvernement n'est pas représentant de l'exécutif. Le commissaire du gouvernement est nommé par le président de la République et en fait le commissaire du gouvernement, c'est représentant de la société au niveau de la justice. OK? Donc là, c'est une justice qui va l'être. Ah oui, qui va l'être, mais ça va veut dire c'est représentant. Parce que dans le passé, tout juge était nommé par le ministre de la justice avant même de venir gagner et souvler CSPJ. C'est comme ça qu'on fait dans le temps. Mais commissaire du gouvernement, et que nous, l'autre côté, il y a l'autre, il y aurait le procureur, il y aurait tout l'autre bagaille. OK? Donc, il est effectivement nommé par l'exécutif, mais ce n'est pas un représentant de l'exécutif. Alors, ça, action posée n'a pas gagné pour avoir une instruction quelconque de l'exécutif, pour demander de le convoquer Mounsao, pour le convoquer sur Mounsao. Instruction, président Baili, depuis 8 ans, et l'air au songer, tu as gagné le premier ministre nommé d'alors, Jean-Henri Séan, au niveau du palais national, dans une cérémonie, président a instruit PM Nomea, qui vient PM Jodia, que lui prend toute disposition que de droit pour que dossier ça capable de gagner lumière, clarté qui fait sur lui. Et depuis, nous croyons que PM n'a pas chômé sous dossier ça, l'y activer ensemble d'instances et institutions qui pourraient activer eux, et probablement à travers le ministre de la Justice, probablement le commissaire du gouvernement. Mm-hmm. Maintenant, il y a des gens qui croient tout, nous voulons faire mal à aller vite. Nous paraître un petit genre difficile par rapport avec le respect procédure, respect ancienne autorité, ça, parce que le cadeau, je t'abjure l'agent de l'État, c'est vrai, mais puisque par un rapport, par un arrêt de débat contre eux, pour qui ça veut dire obligé de répondre à une question, comme c'est vraiment. Donc, il y a des gens qui croient, oui, il faut que le dossier avance, mais il faut qu'il y aille, j'en dois bon, aller tout. Seul ça me capable de dire, et je dis à gagner, souvelé, on démarche pour que gagner justice. Et s'il y a des accros par rapport à la loi, ok, parce que justice, c'est la loi qui boussole, li, eh bien, vous connaissez la défaite du droit n'est que provisoire. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une rectification qui fait si, effectivement, d'un côté, la loi, Ndakadjou, li, a subi de pression par rapport à la conjoncture. Il y a des gens qui croient, après le 17 octobre, il y a peut-être que le président du club a des signaux clairs. Pour ce qui est champ plutôt caribé. Avec les changements que fait jeudi au niveau de l'administration du palais, est-ce que c'est ça le signal ça ou bien il y a d'autres signaux encore, chef l'État, pour aller dans le jour qui vient? Le truc président n'a pas mentionné ni palais, il était mentionné l'administration. Donc ça veut dire que si jeudi a gagné et X monde qui est engagé dans des institutions clés au niveau de l'État, qui c'était ordonnateur au niveau de fonds pétro-caribé, eh bien ces gens-là vont se mettre également à la disposition de la justice. Et ça, ce sont des signaux forts par rapport à et Ndakadjou demande de justice. OK, c'est demande de justice qui gagne et par rapport à nécessité même je dis à pour que dans dossier corruption hein, OK gagne souvelé éléments ça qui s'est peut-être au Caraïbe commencé, mais moi-même, moi, souhaité, et ça a son souhait que m'a exprimé, ok, que l'ensemble des dossiers qui, parce que un dossier, par exemple, et financier, presque pas gagné vraiment sans d'accarrer et prescription pour lui, ok. Donc ça veut dire, même s'il a gagné 10, 20 ans, on m'a dévolé l'argent, il a été poursuivi. OK? Donc ça veut dire que pour son élément de clencheur, qui pour commencer la question de justice par rapport à la dilapidation des fonds publics, mais on croit que ça ne va pas s'arrêter là. Maintenant, changement fait pour côté conseil spécial. C'est sûr que le président n'a pas arrêté sans conseil spécial. Il faut rapidement gagner des nominations faites. Il faut rapidement gagner de leur personnalité. Et qui prend le président Bourad dans le palais. Et ça va avoir temps pour ça, pour que vous mettez, ou bien est-ce qu'on va le reconduire? N'est-ce pas, Mounsao, qui va le dire à ma conseiller encore? Bon, on croit que le président lui et souvelé besoin des collaborateurs. Et qui pour aider l'accomplissement et tâchio et qui pour faire président atteindre
objectif que lui-même lui fixé, puisque c'est lui qui est devant le peuple, c'est lui qui gagne des engagements que le prend et c'est lui qui a une vision que la poté. Ok? Maintenant, président, besoin mettez et chaque personne à sa place, ça veut dire lundi ça, selon compétence, selon capacité, pour faire bagaille bouger, puisque je vous dis à plus que jamais, président besoin bien accompagné, bien et encadré pour que les capables arriver et au terme de son mandat, de son quinquennat, et pour le capable de délivrer marchandise là. Est-ce que ça veut dire tout, Jean-Charles Faustin, vous ne savez pas au-dessus de tout soupçon? Mon que président je dis le cabinet et là Famdou c'est gagné décision qu'a prendre c'est pour une décision comme si Mdakadou qui seulement gain pour avec conjoncture les gain pour tout avec efficacité que président besoin efficience que l'a cherché pour le capable atteindre objectif après 20 mois certainement président il certainement il font évaluation tout lui-même et il connaît là où ça devait aller plus vite et il connaît côté ça traînait et que lui-même lui supposait mettait Mdakadi de monde qui gagnait capacité et qui pour réellement accompagner donc m'pa vle dit que moun ça c'est pas moun qui pas t'accompagner et ou moi-même moi pas vle anticiper puisque m'pa gain pour m'anticiper sous décision président apprend mais m'pensais dans les prochaines heures capable gagner plusieurs dans nous-mêmes qui a servi président à ce niveau, capable de reconduire dans le poste de conseiller spécial, capable tout gagner de monde dans le conseiller spécial, qui a servi pays à dans l'autre niveau. Et tant que ouais, déjà, tu as gagné un conseiller spécial, Enol Joseph, Jodia, qui a servi au niveau de la défense comme ministre. Même j'ai gagné Calix Evanson, qui est dans le cabinet. Qui a servi président comme conseil, je dis, il est directeur général de ANAC. Donc ça veut dire que est capable, une équipe, c'est une équipe, mais capable de gagner sous le repositionnement de l'équipe sur le terrain. Mais ça veut dire, ça veut dire que les gens qui tapent ordonnateur, ce que ça fait. Les ordonnateurs, c'est clair. C'est clair, c'est net. C'est clair, c'est net. Donc les ordonnateurs, conformément à disposition que le président prend, Mounzaïo a fait un petit météo à la disposition pour que la justice soit capable d'attendre et pour que nous souhaitions ça aller vite parce que il y a de cadre là parmi toutes nos capacités là, il y a de monde, c'est de monde qui gagne de compétences dans le pays et en pile fois et l'indor et où qu'on est que ou capable subir de problèmes parce que tout simplement ou qu'a fait un bagage et tout le monde qu'on a fait le bien. Ok, donc nous connaissons un vieux proverbe créole qui dit yo roye roche sous mango, sous pied mango, gien mango mu. Ok, donc ça veut dire que et jodia nous croyons que la justice là doit aller vite pour retirer en pile la mounzaio de tout soupçon qui plane sous tête yo parce que moi-même moi pensé en pile là yo c'est de honnête citoyen. Mais là, et à côté de mouvement et Petro-Caribé Challenge, manifestation faite 17 octobre, c'est passé, même parler d'un mouvement tout 18 novembre. Nous croyons qu'avec décision ça, ça t'a qu'à calmer Mounio et Jeunio qui a demandé côté quoi Petro-Caribé. Bon, moi-même, j'aimerais profiter de questions posées pour moi avancer quelques bagailles. Lédo, je veux dire, faut que le peuple soit très vigilant, faut que le peuple soit prudent en pile par rapport à dossier ça. Vous connaissez, en Haïti, nous avons des choses, et nous, bon, même dans le film, nous connaissons, c'est pas en Haïti seulement, nous avons dans le film tout, film étranger, ok? Côté Negla, fin Fonzac, pour l'échapper pour lui, il tomber au secours ou bien barré volé, ok? Et je dis, nous remarquons, il y a de monde avec droite, bien entendu, avec droite qui a retiré tête, la question Petro-Caribé et puis c'est comme si on sort de vengeance qu'apprend. Moi-même, moi, je voulais dire jeune, surtout, Lendo. Moi-même, je suis un monde à un certain moment que yo t'es utilisé. Et faut me dire ça, faut me explication pour qui ça. En 1987, Lendo, nous t'es supposé descendre le baccalauréat. Nous songeons que un mouvement tout autant d'un Fibara chez Mayoc, élève qui t'a pour le composer dans le baccalauréat, pas gain de le composer. Et laisse ça, pays à me songer. Il y a 24 000 timoun, alors jeunes, qui étaient doués composer dans Rito et Philo. Ok? Et là, ça, on connaît. C'est presque chercher ou t'as cherché élèves là, Kayo. Il y a eu maintenant deux examens, 8 000 moun, sur 24 000 moun qui étaient arrivés composer. Et
ça qui passe là ça. Moun qui t'a encouragé nous comme jeunes dans mouvement ça. Par exemple moi-même, j'étais membre de APN, Assemblée Populaire Nationale qui t'a dirigé par Benji Puy. Après événement 87 ça au Lendo, moi monté au boy, mal organisé paysan, maintenant tête en mouvement créé mouvement paysan de boy MPB comme coordonnateur. Et ça te fait pile parler, sous tape suivre conjoncture dans la période ça, en 1988 jusqu'à 91, eh bien nous te font pile mouvement et au boy, moi-même dans tête mouvement. C'est après président Aristide que moi-même, moi te mené campagne pour lui, fin président, moi retourne ici, moi viens descendre baccalauréat. Mais puisque moi c'est yon nan moun qui t'a planté si assemblée locale au niveau du boy, l'aime tout nous compte ça, Benji Pudim. Ça son attitude de petit bourgeois que m'a fait là, pas qu'à fin quitter moun yo que m'a organisé en dehors et puis me tourner m'vin l'école. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire jodi a faut jeune yo très veillé parce que gagne un gros politicien qui voulait qu'un statu quo et qui pas voulait réellement faire place net by jeune yo. D'ailleurs ouais parti politique que yo fait yo président a vi nan yo. Même les yo pas dit que yo président a vie, mais ou al gade ou wè que yo pa ram vle renouvle pati sa yo pa des jeunes. Donc jodi a fò jeune yo comprennent très bien que moun ki di yap menen yo comme leader, fò yo gade passé yo. Gen moun la ki di yo se leader jodi a, mais yo te fait 10 ans magistrat, yo te fait 6 ans sénateur, yo te fait 4 ans député ou bien yo te ministre son fois ou bien yo te dans cabinet on président on fois ou bien yo gon l'autre bagaille yo kon fait ou bien yo pa jam fan rien pendant toute vie yo pa jam fan rien dans toute ça me dit là mais sous garde train de vie que moun sa yo a mené à travers pays a faut gen yo ta questionner pour demander si yo même yo pa vle tomber dans même loi faut yo ta questionner moun sa yo parce que jodi a là n'a parlé de corruption lendo la corruption c'est beaucoup plus que ça. Parce que t'aimes jouer lendo, si moi me lève dans nos quartiers, moi on est chaque matin c'est domino là jouer. C'est domino seulement là jouer et puis bouteille baccaral bon côté. Et puis moi on est ça dans zone il gagne plus gros qu'elle là. Hein? Ou bien il gagne plusieurs. Là louer tout le monde qui besoin louer dans classe moyenne. Mais ça suppose un questionnement. Où est-ce que ça se passe depuis président vini avec question corruption? Où est-ce que ça passe dans ICO? Côté gain de monde qui était gain 25 l'année depuis a changé chèque pour monde. Chèque cap sorti dans l'état et puis deux chèques cap sorti sous prête non mais gon groupe moun c'est ça seulement yo fait dans pays a donc corruption lendo son bagaille depuis 212 ans après la mort de Saline malheureusement moi semaine ça on oublier emploi tout monde c'est question Petrocaribe seulement cap parler mon cher emploi te vle gon l'autre pays te vle gon l'autre société te vle gen justice sociale et c'est pour ça même ni te mouri mais si je ne dis même yo pas un leader. Il y a seulement demandé à ce que l'argent plutôt caribé à côté le passé. Si yo pas un leader, faut pas quitter moun k'ap fè yo al boule machine qui va écraser. Yo démarque je ne dire démarque de bacha. Ah ben non, ça faut démarquer. Ben non, ça faut prendre distance réelle. Faut yo prendre distance réelle parce que moi même d'aime dire l'argent plutôt caribé à côté. L'endo t'aime dire. L'aime tendre en manifestation plutôt caribé. M'en vial la donne tout. M'en vial la donne. Parce que si gagne 1,7 milliard de dollars américains, c'est rien pour la République dominicaine, nous à côté nous là. C'est rien pour les États-Unis. Vous comprenez? Parce que la République dominicaine, budget aujourd'hui, c'est 14 milliards de dollars américains. Que budget, c'est rien pour eux. Mais aujourd'hui, pour nous-mêmes en Haïti, avec un budget de 144 millions de goudes, ok? Donc c'est beaucoup. Et ça, moi-même, honnêtement, Lendo, moi-même, Gadjoum, des députés, tout le monde qui a regardé, on vient quand même de gagner avant de débuter. Eh bien, on fait 4 ans de débuter, c'est la donne. Et je dis à mon conseiller spécial président, c'est la donne que m'y est. Ok? Donc, ça, moi-même, m'a gardé train de vie en sérieux de monde dans le pays. Et là, m'a questionné pour qu'on ait qui ça a réglé. Mon cher, vraiment, ou est peuple jeune, faut ouvrir les yeux, on fera pour tout. Et faut bien ouvrir, et faut enquête sur ces deux bagages. C'est soit que mon gars parle de conférence nationale. Et qui, comme si d'un côté, vous voulez dire, ok, nous n'a couvri fait. Casse fait couvrir ça. Casse fait nous couvrir ça. Vous comprenez? J'ai nous déterminé d'accord avec ça. Ah, quel monde qui voulait venir dans ça tout? Qui t'a un mais pour y casse fait, pour y couvrir ça. Moi-même l'endroit,
souhait pas d'arrêter une justice réelle qui fait dans le pays et pour que le pays, c'est pas seulement dans la question Petro-Caribé, mais dans tout l'autre niveau. Yo. Parce que tu me dis, il y a des choses qui sont inacceptables. Parce que jeune, il faut qu'on ait. Parce que je dis à Lendo, si un sénateur te met ton directeur dans le BMPAD, ok, li mette le directeur, ça je dis en cavale, mais faut sénateur, ça recule, même j'ai président mandé pour que moun qui t'es ordonnateur dans Petro-Caribé capable de mettre à la disposition de la justice, mais il y a des gens dans la société qui supposent qu'ils font recul. Faut qu'ils font recul pour dire que, ah, de près ou de loin, moi-même, tout mon responsabilité, parce que je me mets ton nègre, je ne sais pas est-ce que c'est Black Bay qui m'a nipoté, mais il gaspille l'argent de l'État, il y a un caval parce qu'il gaspille l'argent de l'État. Donc, il faut qu'on retenu sur question ça. Donc, je dis, moi, je pense que faut que la question soit réellement et abordée, mais il ne faut pas aborder en mesdames, il ne faut pas aborder en coquin, faut que la question soit réellement portée sous table et faut que tout le monde d'accadou et clair pour yo ton verdict là et verdict là li doit aller contre tout monde qui fait pays ça souffrir pendant m'pa vle di 212 ans mais pendant 30 dernières années ça c'est ça même qui quoi tu veux dire à tout et son pas intéressant parce que question édition content ba pas toi mais fait avec ça qui a passé là on t'a de faire édition content ton exercice normal on t'a géré on est bon femme on t'a géré l'argent de l'état mais c'est normal pour pas rendre compte sorte favel mais qui ça au bail et puis là pour toute population qu'on est effectivement taxe collectée mais à qui ça servir faut ça commencer rentrer dans culture nous OK pour que nous connaissions que depuis où a géré l'argent l'État, eh bien l'argent l'État, ce n'est pas l'argent Chango, c'est l'argent peuple là, et peuple a besoin de compte. Il faut y rendre compte. Et il faut ça rentrer dans la culture. Nous. Donc, je dis, et je suis capable de dire l'endor, en pile monde, en pile monde où est capable de gonfler la rue, il y a peur pour y arriver sur yo dans la rue. Parce que. Donc, c'est que vous avez la rue à tout, vous avez la rue. Oh, bien sûr! Donc, dans 30 dernières années qui passent. C'est devant au point, non, ça? Non, c'est pas de tout à l'heure, de voler, qui a pris les barres, voler pour le sauver. Et puis, pas oublier, où est l'approche là? On sait que le monde a demandé procès, a demandé justice. Et puis, comment c'est gagné des instructions qui ont été, comment c'est gagné des mouvements qui ont été entrepris pour que nous revenions à la justice là? Et puis, on dit c'est autre chose. On dit c'est autre chose parce que on dit que je dis et il n'y a pas sous procès encore. Faut que j'entende ça tout, oui. Parce que n'est-ce pas sous procès encore. Sous qui ça y est, dire. Qui ça y a besoin? Il a besoin de créer instabilité pour jouer nos transitions, l'endor. Et transition, l'endor, moi-même avec, ou même particulièrement, qui suivent et d'accord dit conjoncture, et d'ailleurs qui toujours, qui font pile temps là, et dans la chaise à côté là, vous comprenez? Donc, qui tendait en pile monde qui voit en pile bail passer dans le pays, d'accord dit tant de transitions qui ça porter pour nous c'est rien du tout parce qu'on nous prend deux on nous prend le temps qui plus proche qui plus collé avec nous là OK temps contemporain d'accord dit on prend et 2004 à 2006 l'endor est-ce qu'on songeait parce qu'on est acteur dans ça est-ce qu'on songeait tout l'endor pas même acteur même pas intégrer administration publique là battre là dans on met à le fouiller pas un nom aucun côté on pas chèque zombie OK moi-même moi c'est monde qui rectiligne par rapport à Jean moi-même moi vivre maintenant en alga de 2004 l'endo qui inauguration que tu fait pendant deux ans ça dans pays OK seul ça qui commencé c'était le pont le plus long de la Caraïbe vous songez ça ça va désolé hein ça va désolé le pont le plus long de la Caraïbe 10 millions de dollars américains gagotés des œuvres qui fait on pas connaît pas qui étude et puis après ça yo crasé yo le président Préval tourné yo remblayé espace là yo soulevé route là et puis pont tout le monde a gardé pont qui te gagne 10 millions de dollars américains donc on prend transition et n'ta ka dire toute petite transition qui passe après yo ça yo porter pour pays rien on prend un an juste les privés ça le déporter élection seulement c'est élection seulement le député. Mais ça devient comme mission. Non, mais pendant ce temps, il prend résolution Petro-Caribé. Faut pas oublier ça. C'est ça seulement le devient comme mission, mais il prend résolution Petro-Caribé. Donc ça veut dire que, qui ça, qui nous t'a ouvert tes fêtes. Donc ça veut dire, question, yo, Jodia, faut que nous pas passer sous côté. Jodia, Serginho, Venezuela,
te ban nou yon prêt à côté de toute aide que le pote ban nou. Mais les États-Unis, le Canada, la France, l'Espagne, tout côté ça yon ban nou support. Ok? Eh bien, après le tremblement de terre, vous comprenez l'argent qui était supposé, 13 milliards qui était supposé collecter pour te, bah, mais combien qui était collecté, qui ça réellement qui fait, ok, pour améliorer son monde qui était victime. Donc, toutes questions, ça, c'est des questions aujourd'hui qui vous posez. Donc, peuple haïtien aujourd'hui, tout ça nous tenons comme entreprise. Et public qui était là qui t'a desservi population n'at comme dans cette téléco il te relé hein tout le même cas elle arrêté là oui c'était téléco il te relé tout le monde songe ça. OK, donc nous te gagne ciment d'Haïti, nous te gagne et Narol côté te qu'on a fait l'huile et cetera, minoterie, nous te gagne toute une série de bagages qui était presque fait pays à autosuffisant. OK, dans le domaine production, et mais aujourd'hui tout bagage c'est à l'étranger. Et m capable dire en plus nous situation de Yingang Goumen de 94 pour le retour à l'ordre constitutionnel entre guillemets, nous gon troupe de 22 000 hommes qui occupaient pays nous, hein, et jodia quitte li sorti de non que le gagnien de ministre de ministre juste, eh ben jodia encore d'akadou pays ça li pas soi. Vous comprenez? Son pas soi. Donc ça veut dire que je vous dis, nous besoin sérénité, nous besoin la paix, nous besoin tranquillité, nous besoin stabilité, puisque la stabilité c'est le premier des biens publics. Jean-président Jovenel toujours dit, pour que pays ça nous capable sortir de tout problème que nous avons, de toute misère que le peuple a vivre, de chômage chronique, parce que nous dit chômage, parce que même mon gars travaille là, l'endor. Donc, il va trouver réellement que la travail. Donc, ça veut dire que vraiment, vraiment, nous besoin faire un saut qualitatif avec pays. Mais ce n'est pas Jean, Ndakadou, de groupe monde, depuis plus que 30 années, qu'un pays en otage. Et Ndakadou, c'est comme si chaque période, c'est même discours. OK? Et moi-même, vous vous dites 2004, mouvement 2004, que j'étais acteur. Le fameux contrat social. J'étais acteur dans la période ça. Mais, forme du contrairement à toute attente que moi-même, en tant que jeune garçon, qui a fait Pétionville, descendre Jean-Mas, remonter, etc. Donc, moi déçu également. Parce que c'est vrai, dans la période ça, les crimes qui étaient dans le pays, c'était des bagages inacceptables. Hein? Parce que je dis, parce que les gens ont comparé, comparaison qui n'a pas raison. Okay? Parce que ça qui a passé dans la période 2004, là, l'indor, côté Mdakadou, la main en bois, la main coupe-coupoule, la main sekei, la main zoriquin, la main d'enfer, vous comprenez? Toute qualité là, mais qui était dans le pays, qui Mdakadou a touillé le peuple là. Donc, son bagage, que peuple haïtien pas de carité bois croisé, même Jean Jodia ça c'était deux crimes d'Akadou politique, mais Jodia crime financier tout si gagné, eh ben faut que yo entre, mais contexte pas même bagaille, parce que Jodia le président de la République depuis le rivé là li pas prend aucune résolution de Petro-Caribé, li pas aucun l'argent réel international qui n'amène. Donc Jodia li gon mandat dans l'élection, de qui ça tout qu'on a parlé, moun kap di fol ale yo, c'est de moun depuis ou songe que cementé sous vie yo, yo bon y a quitté pays a Jovenel pa gen droit président d'Haïti, c'est même yo même qui a fait surface. Ça veut dire faut peuple a bien comprendre ça qui a passé. Maintenant question claire, est-ce que vous c'est Caribé pour c'est Petro-Caribé pour vivre fête tout bon vrai, ou bien est-ce que soit administration président Jovenel Moïse toute disposition à prendre le serait pour initier procès. L'endor le droit ou pas capable fixer dans le temps, parce que on procès réel li mande temps qui nécessaire. Et d'ailleurs même les ou accusé un monde non premier jugement, la loi a le droit que lui-même est capable de faire appel ok, pour un autre jugement. Donc, ça veut dire que ça capable prendre le temps. Ça capable prendre le temps qu'il faudrait. Mais ça qui est important, même quand on y a là, Ndakadou ou pas gagné toute finalité, mais n'a un bon bout de chemin dans le tunnel là qui permettre que tout le peuple haïtien commence à être clair et que
décision qui peut sortir par rapport à procès que n'a pas l'air pour le faire de monde de commencer par l'argent l'état. Donc les monde a dirigé, il connaît que l'argent ça, il pas qu'à prendre pour le faire ça plutôt avec elle puisque on joue qu'arriver au commander le compte. Et jeunes yo qui dans mouvement ça tout, me souhaiter que yo prend leçon pour yo pas perpétuer ça qui a passé journée yo dire les yo vinn river au timon des affaires. Là maintenant il y a de l'autre groupe dans la rue à tout à côté de jeunes plutôt qu'habitants. Je même c'est des politiques qui a demandé quoi que là pas ouais de bonheur administration président République. Bon, même tous nous sommes tous à l'endori, c'est même monde depuis après première élection 2015 yo qui pas d'accord élection, qui craser élection, qui refait élection, il mettait stratégie même pour le président Jovenel Patrice réinscrit comme candidat. OK, il vient avec dossier toute qualité causée pour te décourager un lui-même pour te bailler vague et deux pour te faire peuple à virer de Bali. Donc 22 mois de campagne électorale pour président rivé dans tête pouvoir et capable de monsieur te font campagne clé, monsieur te font campagne pratique, monsieur te font campagne technique, monsieur te font campagne organisée. Et c'est suite à ça, malgré yo dit complot puis faut passer Wanga. OK, donc bon côté pas président Jovenel pas de Wanga, mais la vérité était triomphée malgré tout complot yo, parce que il était clair contre le coq que et mouvement que de complotage que t'a mené yo pas qu'arrivé à abouti parce que peuple a te comprendre ça que t'a passé réellement. Et capable de yo fait nous faire deux élections pour une élection parce que le président Jovenel gagne depuis la première élection et malgré yo réorganiser tête yo fait coalition etc. et bien président allait donc plate couture li batyo. Donc je dis pendant que n'a parlé nous tendez secteur démocratique, et bien pour gain secteur démocratique c'est la loi qui vous triomphe. Donc ça veut dire si ou même ou dit tête ou sont démocrates, et bien ou pas gain ou pas bois ou c'est esclave de la loi. Et sous ces esclaves de la loi et de la constitution, eh bien, faut y respecter dans l'étude et dans teneur. Donc, ça veut dire, je vous dis, ça qui pour fait, c'est que le président de la République, là, lui, a dirigé le pays, et tout le monde, ouais, depuis l'arrivée, lui mettait au travail, et lui allait dans le plus profond pays, pour que lui capable de porter des solutions que mon yota attend depuis dix d'antan, que yo pas de cas joindre parce que depuis tout le temps c'était surtout la République de Port-au-Prince, mais jodia président allait tout cochon l'aller et tout côté, OK, pour que li capable river sous population et population commence à comprendre ça, mais et forme du et professionnel politicien professionnel yo toujours rentré dans bataille, yo a dit mon yo ça qui passe ça, yo a rentré de bagaille dans tête mon yo qui m'dakadou c'est mensonge. Et nous ouais vraiment le mensonge en Haïti c'est un dans bagaille qui créé m'dakadou un pile problème jodia. Parce que la vérité son bagaille que en pile monde dans société ça pas l'étendre, parce que le jour la vérité triomphe yo même yo pas existé encore parce que zam yo c'est le mensonge. Donc jodia au niveau de la présidence, il y a monde qui a parlé de panique. Non, il n'y a pas de panique, mais président Jovenel Moïse a pris toutes les dispositions pour que li capable continuer diriger pays a pendant quinquennal là et pour que li capable et li mande stabilité a, li mande tout le monde participer dans stabilité. Parce que l'homme dit un petit bagage, l'endo. Là, un président arrivé, et puis le jeune loi qui était là, sous financement parti politique. Et puis, président, ça, c'est premier monde sans force côté qui fait appliquer loi ça, parce qu'elle te voulait la stabilité en le pays. Mais je dis, et malheureusement, nous voyons que pays, c'est pas comme si parti politique yo pas fort, c'est pas parce que yo pas de organiser yo fort, yo pas fort c'est parce que c'est de bagaille et personnel qu'a fait, c'est de bagaille mesquin qu'a réglé. Et ouais jodia depuis fond ça a commencé bail, eh ben c'est comme si tu as dit corruption li paraît à clair et en dedans parti tout ouais parti yo gen tendance à émietter, à diviser, à fan etc. Donc et est-ce que le président Paris tout t'as chuté avec un monde qui proposait radicalement avec lui tout? Président Jovenel, c'est un homme de dialogue. Et depuis le rivé, il dit qu'il n'a pas goumen avec personne. Et il a preuve, parce que t'aimes du petit bagaille, Lindo. Président, il n'est pas venu là, comme si il n'a tant que pays a son boutique, vous comprenez que lui-même, il vient diriger. Non, président vini là,
li connaît que pays d'Haïti a un pile problème et si tellement connaît que pays a un pile problème l'endo, c'est ça que fait président depuis l'arrivée, il prend une grosse décision qui s'est fait les états généraux sectoriels de la nation parce que il connaît un problème, il connaît que faut pays a parlé avec lui-même et pour que yo capable joindre à côté de tout effort l'a fait pour que li capable implémenter vision que le gagne comme chef de l'État, mais également li bay possibilité pour que nous capable re-questionner ensemble de bagay en dans pays a et pour que gain de correction en profondeur qui poté ni dans constitution pays a ni dans jan institution yo a fonctionné. Donc président li pa peur faire dialogue avec personne, mais cependant si président gain bagay li pa d'accord avec lui, li pa d'accord avec mensonge là, il pas d'accord avec monde qui a créé situation pour déstabiliser pays là, il pas d'accord avec monde qui a volé l'État. Et là au niveau du parquet national, signal au bail, il y a des monde qui pas dans position encore et peut-être des monde qui a dit il y a de l'autre choix, de l'autre changement, qu'a pas payer dans jour qu'a venir là et juste Charles Faustin. Et tout d'abord, c'est des signaux clairs qu'a venir. Et je crois que dans le jour où il y a d'autres annonces qui pourraient montrer que effectivement il y a un virage qui a fait et pour que l'Acadie, que l'équipe et l'administration, le gouvernement séant, eh bien, après le mettre au travail pour que la situation que le peuple a donné aujourd'hui en premier chef, ce qui c'est grand goût, il faut l'adresser. Ça vous comprend tout que l'équipe ça n'a pas vraiment délivré, pas vraiment un résultat, et président je dis à quoi que faut le retirer. C'est pas ça, pas veut dire ça. Ça pas veut dire l'équipe n'a pas vraiment délivré. Le président capable de gagner certaines insatisfactions et la profiter pour le porter des corrections. Merci à vous, Charles Faustin, après vous, conseiller président. C'est un plaisir de parler avec vous, Mathieu. C'est tout un plaisir, c'est génial, bien content, et tu à parler avec téléspectateurs TNHO. Voilà, notre invité ce matin, l'ancien député Jules Charles Faustin, pour nous garder l'actualité, surtout avec Denis Arité, qui sortit pour toute date lundi ça. Et merci à pile parce que tu es avec nous, surtout suivre nous en direct, parce que tu passes une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine. À bientôt.